un petit cappuccino de lentilles. On va la mixer avec l'eau de cuisson, c'est là où il y a toute la vitamine. Une fois que c'est mixé, on l'incorpore dedans notre crème. Et là, vous avez ce qu'on appelle le velouté de lentilles. On va prendre donc la fameuse crème de mascarpone et les lentilles. Et dessus, on va y venir ajouter un petit peu de saumon fumé. Bon, un petit peu, moi je suis gourmand. Alors, l'avantage, c'est que c'est des légumineux. Donc tout ce qui est légumineux, ça va être les haricots blancs, les haricots rouges. Le problème, c'est qu'on n'en mange pas assez. Haricots rouges, mais en sucré, tout à fait. Et ce qui est bien avec les haricots rouges, c'est que c'est riche en protéines. Par exemple, à la maison, la plupart du temps, les gens, ils ont juste une bouteille d'huile et ils font leur vinaigrette avec. Et c'est tout le temps la même huile. À la maison, il faut toujours avoir différentes bouteilles d'huile, aromatiques ou pas, et alterner à la maison, une fois l'huile de fleur de colza, une fois l'huile de noix, une fois l'huile d'olive, et ainsi de suite.